comme ça, avec la position du traiteur, et tout ce qui fait, dès que vous faites un CSI, un Open, n'importe quoi, vous communiquez avec le kernel, et que le nom vous communiquez avec du matériel. Donc, vous êtes en un moment, vous êtes en kernel. L'image de contrôle, il font directement la communication avec des drivers spécifiques. Par exemple, on a tout ce qui est antivirus, qui communique beaucoup avec un driver. Par là, c'est ce qui est AWS, tout ce qui communique avec un driver, afin de comprendre bien les communications et dans les dernières, les conférences sur les problèmes que j'ai à ce niveau-là. On a aussi les interruptions, les interruptions processeurs, pour voir que par exemple les données utilisateurs pour faire un certain nombre d'interactions avec le processeur, des interruptions, qui nous permettent de dialoguer et parfois de passer en direct. Et enfin, les services réseau. Alors, on a tous déjà entendu parler de services, de réseau, de TV, beaucoup de systèmes différents. Alors ça, c'est un noyau. Et donc, si on a une vulnérabilité, on a plus de noyau. Donc là, bientôt, on est en risque zéro, donc on a tous les droits sur le système. Nous, là, pour aller s'attaquer, c'est le système call. Alors, je dis le système call parce que je vous suis dit, pour les élévations de privilèges, dans la plupart des cas, à un moment, il faut passer par un appel système. Il faut passer par un système call. C'est-à-dire, à un moment, on envoie, si on a un client thread, une allocation de CDI ou autre, à un moment, il faut bien passer par un appel système. Vous dites, il arrive à attraper cet appel système-là. Si je veux faire, eh bien, je pourrais retrouver la vulnérabilité. C'est un moyen très générique de pouvoir retrouver quasiment toutes les vulnérabilités qui sont retrouvées jusqu'à présent. Et je me suis dit, bah, tiens, tout ce qui va passer en fait, c'est communication entre le monde utilisateur et le noyau, les choses. Mais non, le truc, c'est que les interactions de Windows, il y en a plein. On dit que quand on aura un autre, on va faire le bâtiment. C'est pareil, il y a énormément de communications. Et nous avons beaucoup plus, alors au niveau des fonctions adaptables, il y a beaucoup plus en GDI qu'en, une production de cas qui est au internet, mais nous avons des systèmes internet qui sont exactement les fonctions. Alors, on reprend rapidement comment un processus communique avec le noyau. On parle de l'exécutable, suivant. L'exécutable, il y a le bien du DLL. Donc, directement, on a quoi du user 32, du GIN 32, du SCDL, du carnet 32, tout ça va être frappé. Donc, on a des DLL qui vont reprendre l'appel à des DLL, et on a trois DLL qui vont nous permettre de communiquer avec le noyau. Alors, en réalité, on peut faire des plus avancées, mais de façon standard, on a trois DLL. Donc, comme le GIN, le SCDL, le user 32, le GIN 32. Par l'instruction qui fait peur, sans doute, on va envoyer l'appel au noyau. Il y a une instruction qui fait quasiment pour passer, c'est le successeur. Alors, ce successeur, ça va donc nous permettre de passer, pour ceux qui voient les règles processeurs, de ring 3 au ring 0. Donc, du mode successeur au mode noyau. Une fois qu'on est passé dans le noyau, on arrive dans une routine qui s'appelle la IPAS colon 2. C'est la première routine qui va nous récupérer l'appel. Alors, pour ceux qui ont déjà fait un peu de chaque liste, vous avez vu que pour faire un IP80, on lui donne un ID. Le Cisco IP, dans le ID. C'est pareil que Windows. On lui passe un ID, et puis on lui dit, voilà, vous avez la fonction numéro I. Et si vous regardez d'ailleurs les appels, on regardera tout à l'heure, on peut en récupérer par rapport à ce qui est passé dans le ID, cette fonction qui veut dire on prend tel élément. Alors, en dessous, on a donc le cahier phase colon 8. Qui appellera donc deux SDP, ça s'appelle, service exécutant payload, qui sont en fait deux tableaux de pointeurs de fonctions. On va envoyer comme ça sur différentes fonctions à partir des appels sur les DNI. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le premier à attaquer. Je vais en aller sur le terrain, certains ont déjà amené des attaques de ce type-là. Mais pour l'instant, j'ai trouvé peu de projets vraiment finalisés, enfin vraiment pour les finaliser pour le coup. IoT Calculator, que j'ai présenté l'année dernière avec une évolution. Mais le problème, c'est que IoT Calculator, ça va creuser, ça va altérer les données qui passent que dans device IO control. C'est-à-dire que sur les à peu près 8 fonctions qu'on pourrait attaquer, il y en a une qui va attaquer. Ça nous réduit largement le stock de l'attaque. Donc ça, c'est pas cool. Alors, on a un MP-Crash 2 aussi, par match de 2000.
il a un petit peu vieux. Il utilisait encore le coup de deux. Donc, il n'est pas vraiment tout seul. Il y avait un peu d'initiative aussi. Alors, c'est-à-dire que l'initiative, c'est qu'on allait appeler l'attention, mais on allait dire, voilà, on prend tous les patients noirs qui vont envoyer, et on va mettre n'importe quoi à la place. Ce qui fait qu'on avait, par exemple, une faible couverture de colle. Si jamais il y avait une certaine valeur, une taille, une chose de caractère, ou autre, qui était vérifiée, tout de suite, on renvoyait faux. Et donc, et bien, on perd toute une partie de notre stock. Donc, peu de couverture de colle. L'avantage de NT5.2, c'est qu'on peut mettre aussi bien tout ce qui est ND ou Internet, que tout ce qui est Win32K. Bon, ça, c'était pas mal. Et le code n'est plus disponible aujourd'hui sur TechNet. En revanche, vous regardez sur archive.org, il y a deux archives qui sont téléchargeables et le code se compile très bien. C'est marrant, vous pouvez l'essayer. Bon, ça donne plus de plus aujourd'hui, c'est largement attaché. Donc on était quand même sur un système assez déjà ancien et on faisait que couvrir la surface. Un petit peu comme si on va voir la surface, on va attaquer en profondeur. On n'attaque pas à l'extérieur des choses. Qui fait qu'on va trouver des vulnérabilités évidentes. Donc pour information, NT32 a quand même envoyé 40 vulnérabilités carrées sur Windows. Donc même en attaquant en surface, on avait quand même des intérêts de résultats. Là, pour le coup, maintenant, ça marche plus. Donc il a fallu évoluer un petit peu. Alors, mon idée était la suivante. Je vais terminer par rapport au problème. Alors, le fait d'un GPU du code mauvais, souvent on a été un code envoyé. Et l'une des premières vérifications qu'on fait, c'est est-ce que le code est valide quand on est envoyé. Si le code n'est pas valide, c'est qu'il renvoie pas. À ce moment-là, toutes les interactions qu'il y a derrière, on les respecte pas. On ne peut pas les attaquer. Donc, ça, c'est pas intéressant. Et enfin, on ne traite pas les transferts de données. Vous avez déjà pu voir, si vous faites la programmation, vous avez des figures qui pourront garder toutes les figures et ainsi de suite. Là, c'est des transferts qui vont se pointer, vont garder des données qui sont analysées. Et avec les transferts, toutes ces données-là ne sont pas analysées. Alors, la solution, enfin ma solution personnellement, pour trouver des vulnérabilités dans le contexte actuel, ça a été du coding à chaud. C'est-à-dire que l'intégrage de vous dit, il prend les arguments, les ID, les uns après les autres, et il les envoie. Donc, il envoie du code brut, altéré, sans aucune, on va dire, aucune réponse positive dans son code. Le coding à jour, l'avantage, c'est qu'on va prendre un appel. On va cloquer l'appel, et on va dire, voilà, stop. Alors là, on a une structure qui est valide, un appel qui est valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va altérer petit bout par ce petit bout. Qui fait que tout un bouquet de formalité est souvent plus important. Et on a plus de chances que ce petit morceau-là nous en renvoie des erreurs au niveau du kernel. Donc voilà ce que ça nous donne. On va hooker, donc on va changer un pointeur en ASCP. Et pour le coup, plutôt que de faire appel là, par exemple à RTFSI, on va faire appel à l'outil de RTFSI pour le petit. Ce qui veut dire que je vais pouvoir récupérer chaque argument séparément, l'analyser comme je le souhaite, et renvoyer les fausses requêtes. Juste dans la dernière itération, je renverrai la requête valide. Ce qui fait que je devrais réussir normalement à récupérer, on va dire, des résultats intéressants s'il y en a. Moi, je base sur le vrai, je suis valide. Et. Alors. C'est quoi ce numéro qui est la méthode des deux juges, elle est naturelle, c'est à peu près comment tu parles. Déjà, on va prendre chaque argument. Là, par exemple, on a fait valide avec argument 1, pour va terminer, et 0. Argument 1, on va déjà remplacer par 0,0,0. Avec un peu de chance, on aura un directeur en France, le pointeur à 0. Et lui, bien sûr. Et après, on va regarder les data, les données pointées par l'argument. Et on va les altérer. On va mettre des A à la place. Ce que ne faisait pas l'écran 2, par exemple. De plus, on a toujours le 0 à côté. On sait déjà qu'on a altéré un argument sur 2 qui est invalide. Puis, une fois qu'on a fait toutes nos itérations sur la première fonction, enfin, sur le premier argument, on passe au deuxième. Autre chose que je fais, on prend un argument. Donc, on en
a deux données qui sont pointées. Souvent, on a des pointeurs de pointeurs. Donc des pointeurs avec un lentille à l'intérieur, on est. Le truc, c'est qu'on est toujours quasiment aligné sur 4 entiers. Donc ce que je veux dire, c'est tirer les données 4 entiers par 4 entiers. Et en faisant le compte comme ça, eh bien je vais faire 0, 0, SSS, MINI, et ainsi de suite, puis je passe au déroulement suivant. Et c'est là que je dirais 8200. Et ainsi, on va réussir à avoir une plus grande couverture de code. C'est-à-dire, admettons, on a une structure pointée. Cette structure, à l'échelle des caractères, à plein de choses, et à un moment, à une taille. Et bien, cette taille-là, on va faire cette couche en déplaçant des voies vers des voies, et dans un cas de fait, ça se trouve, ben, allez, un peu plus en l'enjeu. Alors, la version finale. Alors, c'est une version que je vous montrerai, enfin, c'est exactement la version que je vous montrerai, mais le principe est le même. Je hook, je change toutes les entrées. Je vous ai dit que je voulais expliquer toutes les interactions. Donc, pour ça, j'ai hooké toutes les tables. Donc, j'ai hooké toutes les entrées, aussi bien de la table MDOS-Kermet que de Wii.2K. Donc, je veux tout gratuit. Mais là, il a posé plusieurs problèmes. Déjà, étant donné que j'ai changé toutes les entrées, et bien, j'ai pas la part de l'appel. Encore quand on a de l'appel. Donc, dans le fonctionnement, on a EIP. Je fais un peu continuer. C'est bon. Mais sauf que là, j'ai pas vraiment l'EIP qui est enfilé. J'ai un appel à partir du noyau. Et j'ai un ID normalement pour faire les lettres imprimées. Donc, je ne sais même pas qui est qui est appelé. J'ai un tout de l'envoyer sur le même bout de ligne. Donc, déjà, je dois retrouver les acquis. C'est plus simple comme ça. Je vais également devoir retrouver le nombre d'arguments qu'il y avait. Est-ce que j'ai un argument ? Est-ce que j'en ai 15 ? Est-ce que j'en ai pas ? Si j'ai seulement, on va dire, un argument et j'en fais deux dates, eh bien, moi, je vais écraser les fonctions entre noyaux. Et résultat, bah, pour le coup, je vais avoir un portail du noyau et j'ai traduit un portailer et pas à une vulnérabilité des deux. Ensuite, on va choisir que pour les utilisateurs et les droits limités. Je vais expliquer un peu après. Et enfin, être sûr que le paramètre s'interdit d'une certaine norme. On a des interruptions régulièrement pour entrer, pour des trafics, des mêmes choses. Et il ne faut pas que le fait que certaines options-là soient prises. Et bien, qu'on trouve des vulnérabilités qui sont en réalité des compositions. Ah, pourquoi ? Du fait de limiter ces compositions, parce que le trafic en kernel est pourri. Alors, la solution pour retrouver tout ça, c'est de remonter la code texte. Alors, on va avoir d'autres steaks. Donc la steak, c'est le fourre-tout entre guillemets, comme pour un programme, pour mettre toutes ces données. Donc on fait juste le caractère, des pointeurs, des nombres, un petit peu de tout. Et on a des blocs de fonctions. Donc des fonctions, comment ça peut se passer. Qui c'est qui a des cadres professionnels qui fait le nom ? Et à ce point, alors tu veux une B, une B, une B. Ouais, je sais. J'en ai vu. Alors, si on la remonte, on va trouver un cahier de la colonne de couille, une 27, une 12, si on veut. L'appel de ce cahier de la colonne de couille. Puis, on va avoir un cahier de la colonne de couille, qui pour le coup prend en logique sur l'angle. Il prend en mode utilisateur. Donc, déjà, ça va nous permettre de savoir qu'on a été appelé. Dès qu'on est appelé à partir du but sur l'angle, on aura comme appelé, comme retour, cahier de la colonne de couille. Et enfin, on a un autre pointeur. Qui est pour le coup la double retry, qui est ni plus ni moins, entre guillemets, qu'un pointeur vers la double retry, entre guillemets, qui aura une structure de ce type-là. Alors justement, revenons plutôt à l'autre, toujours pas la structure. On va analyser sur cette structure. On a vu qu'en montant la double tête, on arrive ici. On arrive sur le leader. Le leader avec quelque chose. Donc, on sait qu'on va à un endroit précis dans la structure. On va vraiment continuer cette question. On sait qu'on a été appelé cette fois-là. Je vous ai dit, on va retrouver l'ID pour ça. Et bien, en montant ici, on va pouvoir, si on remonte de 0xDB, on va trouver qu'il y a un entité qui est ni plus ni moins que notre ID. Donc là, on a l'ID 0xBB qui est de cette fois. Mais déjà, on a récupéré notre ID. Donc on sait quelle fonction de l'ID. Comme on sait quelle fonction devait être appelée, on sait quelle fonction ne pas renvoyer. On ne va pas l'écouter comme ça une fonction. Ça permet quand même d'être un minimum. Bon, un minimum.
Ensuite, on va récupérer le nombre d'arguments. Alors, le nombre d'arguments, il est juste à partir de ces deux. Ces deux, ça veut dire richeur avec une valeur. C'est-à-dire, on va distiller tout, ok, une fois, par le reste de base. Donc, 0,24, c'est juste une fois que l'autre côté. Sauf que 1 par un argument, c'est 4 entiers. Donc, on divise ça par 4. Et là, pour le coup de fait, ça veut dire qu'il y a 9 arguments. Et on y passe à l'idée par 4, c'est 9 arguments. Donc, on a 9 arguments à côté, on va devoir traiter séparément. Ensuite, on va devoir traiter que son destinateur et les points limités. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est les appels système pour tout le monde. On va avoir un gros souci. On va traiter pour SNSM, pour CNRSM, pour ESTAT, etc., etc. Tous les, on va dire, processus avec des liens spécifiques avec les noyaux, qui ont le droit de faire des actions qui n'auraient pas le droit de programme. Franchement, trouver une vulnérabilité en administrateur ou dans ESTAT, moi j'avais exploité, ça sert à rien. Si j'ai mis sur un système, bah, tu sais, j'allais taper la zone mémoire, la RAM, quelque chose, je vais pas m'embêter avec les privilèges, je vais les passer sur le noyau, c'est pas instable. Donc, vous n'aurez aucun intérêt. Alors, ce qu'il faut faire, c'est réussir à savoir, bah voilà, je vais attaquer un utilisateur avec trois unités, et donc, vous êtes utilisateur, il va falloir identifier en carnet. L'identification, c'est par attaque. Ce que je fais, c'est qu'en lui parlant, je ne suis pas, par exemple, je fais des autos. Toto, il a tel état de vie, c'est sur internet, voilà. Donc, ce que j'ai, c'est que pour les processus qui sont affiliés à telle identification. Et donc, Toto. Donc, à chaque fois que je vais choisir une fonction avant de faire, et bien, je vais vérifier qu'il appartient à Toto, c'est Toto qui l'a lancé, et donc, que je vais, que je peux, en tant qu'utilisateur avec droit limité, mener ces actions. Un petit problème, c'est en fait. Admettons, je fais un interlude file. Je passe par un outil qui va générer 50 itérations. Mais, par exemple, pour moi, interlude file reçoit la peine du même à un moment. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on va reçoit 50 itérations. Et à chaque fois, on va remonter dans tout le fait. Et donc, on part dans une grosse boucle qui va infinie, et qui simplement va nous faire avoir un outil qui fera exploser notre fait. Donc, ça, c'est un bug. Un exemple de bug que j'ai rencontré, et si vous pouvez vous faire attention. Autre chose, savoir qu'on est bien appelé depuis le mode utilisateur. En réalité, quand on est appelé depuis un mode utilisateur, on a ce qu'on appelle un access mode. L'access mode est un user mode, et quand on est appelé depuis un carnet, depuis une fonction carnet, alors là, je vous ai lancé la boucle, petit problème au niveau de la boucle. À chaque fois que l'Enter Refine va faire un appel à lui-même, il va repasser son access mode à carnet mode. Ce qui fait que je vérifie si c'est bien carnet mode, à ce moment-là, vous avez une seule carnet qui fait un appel. Et donc, bah, je laisse passer, je ne le passe pas, il n'y a aucun intérêt. Il faut le mettre, il y a les droits supérieurs, ou du nom. Alors, donc, on doit être sûr aussi que ça fait depuis mon utilisateur. Alors, on doit déjà vérifier qu'il y a Qualifat System Colorate qui est dedans, qui est dans la full stack. Pour la bien, des données, pointeur user land, des stack, pointeur user land, des fonctions, pointeur user land, et qui vont être utilisées pour les poser. On doit aussi avoir un ID function. Et on doit également être sûr qu'on n'est pas en carnet mode. À partir de ce moment-là, tout est bon, on peut passer. Si un seul de ces points n'est pas valide, on ne passe pas. C'est incohérent. Vous allez voir, c'est très avant tout plus. Alors, voilà la structure finale. Grosso modo, hein, c'est pas compliqué. On a le système colloque qui va nous renvoyer vers le 2 SDT. Nos 2 SDT ont été bouqués, vous l'avez dit. Alors, vous verrez que c'est pas exactement ça que j'ai dit. Vous avez dit que renvoyé vers un module, et en fait, j'en ai une chose. Alors le problème, c'est que quand on appelle une fonction, on l'appelle en multipliant par 4, donc par tableau pointeur. Ce qui veut dire que, au niveau de l'appel, tu ne peux pas savoir que je suis appelé par 4, par SOS carnet, ou par une bande de 4. Et donc en fait, j'ai mes millions plus différentes, ils mettront un identifiant dans mon ID, pour dire, bah voilà,
a été appelé à partir de juste en 32 cas, ou de rester votre carnet. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, c'est en conséquence, renvoyer vers la bonne place. Sinon, je vais toujours renvoyer vers la bonne et ça va pas être cohérent. Par exemple, un processus sans GDI, sans interface graphique, peut se révéler à l'interface graphique. Forcément, ça fait des pantages. Mieux bien. Une fois que donc, on a envoyé ça vers le module. Alors, on redit ça au niveau du 0 fault. 0 fault, ça partait donc la code tech, et vérifier tous les éléments. Récupérer en fait le nombre d'arguments, leur valeur, etc. Une fois qu'il a parti, en vérifiant le test de tout le reste, il va faire les appels sur les domaines de T. MDWebKernel et Wix32K. Vous les mettez plein d'appels altérés, pulpés, et on fait le marque tout à l'heure. Et le but du jeu, c'est de chauffer la vulnérabilité. Bien sûr, c'est quand même le but de la tête. Ça ne sert à rien. Alors, déjà, le plus avantage, pour essayer de faire un peu de vidéo, de se faire. Alors, déjà, vous faites un dog, on en a un dog, on respecte, qui fait qu'on va pouvoir aller plus loin dans le code. Donc, on utilise la couverture. La couverture de code est optimisée, ça c'est vraiment pas mal. On a peu de compétitifs avec toutes les applications qu'on fait depuis le mode utilisateur. En revanche, on a beaucoup d'effets de bord. Très souvent, en fait, j'utilise des parties de code, des antennes, des instructions, que tu fais cracher un module, qui me fait par un effet de cracher un autre, et que tu me fais cesser un test. Bah, franchement, pour votre détail, vous pleurez un petit peu. Notre pratique est très difficile. Une fois que vous avez la vulnérabilité, même si vous avez toutes les fonctions qui ont été appelées, franchement, vous pourrez pour les dire à savoir c'est vraiment pratique. Et enfin, donc, un rejet difficile. Heureusement, c'est pour vous de fournir un outil, vous lancez, ça vous fasse un des redettes et l'autre. C'est pas pour lui, ça prendrait un petit peu. Ouais. Et comme je suis pas là, c'est pour vendre des relais ce soir, c'est alors, une petite démo, j'ai 5 minutes, ça devrait suffire. Alors, en espérant que j'ai pas testé les mots. Voilà, donc là, on prend le meilleur, d'un côté. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai les bons Windows 7. Là. Je me suis fait un petit mal pour lancer, ça prend juste le nom d'argument, enfin, le programme avec à côté le nom du driver. Je vais programmer sur le driver, et puis voilà, c'est parti. Pour lancer, on a dit, bien entendu. Alors, je vais peut-être avoir un Windows 7, parce que comme ça, c'est avec une idée, c'est bien. Donc, on lance en admin. Alors, quand on a un driver, forcément, on va être en admin. Et après, comme on passe que pour l'utilisateur d'invité, eh bien, on pourra aussi se venir inviter. Alors là, il y a tout petit peu lent, parce que j'ai lancé, il y a peu de temps, j'ai commencé à passer à l'autre. Moi, je suis assis, c'est ça. Alors, donc, on va déjà charger le driver. Là, on va la charger. Voilà. Donc, bien en face, je vais charger la GP. Et j'ai lancé l'utilisateur. En fait, c'est un refresh sur Internet Explorer.it. Enfin, comme page. Un utilisateur est trop limité, qui s'appelle Jodo, qui est en original. Alors, on l'appelle. Comme ça. On l'appelle. Alors, je vais citer le petit Meggy, qui est mon star pour la plateforme. Je passe pour l'utilisateur et pour le coup, et tout le monde. Entrez. Et c'est parti, ça va se mettre en place juste à côté, et on pose tous les appels qu'il peut y avoir. Et on voit que très vite, on commence à avoir. Hop là, comme ça. Très vite, on commence à avoir des effets d'or, et qui pour, pour le coup sont en ligne en ordre. Donc, il n'y a pas de souci. Je peux lancer à la suite, enfin, je ne vais pas rester dessus, je vais pas tester. Je t'avais rapidement un détail parce que j'ai demandé tout le temps. Donc là, un exemple que j'avais eu de crash. Donc, pour le coup, on a une fonction que j'ai utilisée, bien évidemment. J'imagine la manifestation. Avec un petit peu d'analyse, on voit qu'il y a un directeur pour emprunteur pour VX, VX plus 8, le VX qui était la SSSSS4, qui veut dire que j'en ai un 40 pour emprunteur au carnet. C'était sur la dernière version du Windows 7. Et si on regarde un peu le processus qui est lancé, on voit que le
mais il vous en a plus d'autres. Et donc, vous avez un peu d'études avec les mois utilisateurs, limités. Vous, ce que vous aurez, vous pourrez donc, vous faites que les fonctions plus par une. Vous pourrez pas citer ça faire un temps. Je ne fais pas trop de choses. Ça verra rien, parce que je connais un peu. Donc, vous pourrez aussi faire à la fois sur un législateur et des droits limités, comme j'ai fait là. Au choix, hein, vous pouvez bien le faire aussi. Et enfin, vous aurez un principe qui est plus avancé que ce que vous pouvez monter là. Alors, ce que vous pouvez faire, voilà, vous allez faire pour son droit d'homme, qui vous parle tout seul, et les fonctions qui n'ont pas d'argument, qui sont pas de la société, vous récupérez son point d'achèvement, vous pouvez utiliser les arguments, et puis, vous pouvez télécharger comme petit stream. Donc, pour le coup, je remercie Mme Stream pour avoir donné le temps de mener cette recherche et développer cet outil. Est-ce que des objections comme le SMET qui interdit le délégué de lancement de pointeur Netherlands, le payload Netherlands qui est interdit, est-ce que sous Windows 7 automatique est implémenté? Alors, de ce cas-là, il ne faut pas encore plus vite, mais bon, ça peut demander plus de temps sans problème. Pour ce qui est des SPT, j'enlève la protection en tier 0, donc je vais faire ça, je m'en fous, c'est tout à fait pour les nets. Et enfin, un petit truc qui est bien important entre les Userland, par contre, je vois en fait que je ferais, c'est sur les plugins en carnet, pour réussir à renouveler dessus. A savoir que j'ai beaucoup moins de protection en carnet sans Userland. Donc, c'est vraiment toute une zone à attaquer. D'autres questions peut-être, vous faites maintenant. Non, je ne vais pas sortir, pas de problème.